Bon, on va jouer comme ça du coup, c'est parti. L'action cam. Et du coup, nos quêtes, nos quêtes, nos quêtes, nos quêtes. On va voir ce qu'on avait. Eau empoisonnée. C'est low level. Pattes de loup des prairies. Chasse de rapaces. Ça, on a terminé le rite de la sagesse. Pour gagner l'approbation des aînés de Sonor Blast, vous devez désormais réussir le rite de sagesse. Maintenant que vous avez achevé le rite de vision, les esprits ancestraux des rochers rouges vous donneront la bénédiction des ancêtres. Seuls ceux qui ont bu l'eau des prophètes accèdent à cette bénédiction. Voyager à l'est de Thunderbluff jusqu'au Rocher Rouge et chercher l'esprit ancestral, Wrad. Ok. Préparation de la cérémonie, ça on fera plus tard. Le plus important, c'est ça. Pour empoisonner. Oh, ça m'avait manqué d'XP ici. Oh là 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 là. Un peu de mana là. On va boire un petit coup. Salut Suzy, comment ça va? Hop là, le petit coup qui est bu. Ça va nickel et toi? Ça va, ça va. J'ai un peu mal dormi, donc je vais peut-être faire un stream plus court ce soir. Après, à part ça, tout va bien. Imhotep. Oh, 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 loup des prairies, machin. Fuck! Ça manque de loup ici. Pourquoi tu vas mettre dormi trop chaud? Non, même pas, c'est moi j'ai souvent des troubles du sommeil en fait. C'est que j'ai du mal à dormir la nuit. Un coup, en gros, c'est un jour sur deux. Il y a un jour où j'arrive à avoir un sommeil correct. Et un jour où c'est pas possible quoi. Il fait pas chaud, il a fait que pleuvoir tout le week-end. Je ne peux pas en emporter plus. Si vous avez du soleil de votre côté, vous avez de la chance, hein? Parce que nous, c'est ce qui manque là en ce moment. Est-ce que je prends ça? Non, je jette ça. Prennent l'habitude de te lever vers 7h-8h. Ouais. C'est sûr. Il faisait 20 degrés. Je sais pas combien il fait. J'ai pas regardé. 20 degrés. Oh, ça va. Enfin, c'est. Genre, c'est cosy. C'est cosy.
Les raptors, ils sont aussi assez rares là sur la map. C'est un peu relou. Ah, là il y a les loups. Let's go. Donnez-moi la patte là! C'est pas vrai! Le jeu avare, là, nickel de kill. Et voilà. L'inventaire est plein! Et en plus, l'inventaire est plein, putain! Ça c'est cool ça. Petite sacoche, let's go. Voilà. Je crois qu'on y fout le sac. Maintenant, on a tout ce qu'il faut, les rapaces. Faut choper les rapaces. Les saletés de rapaces. En vrai, les taurennes, c'est... Tu chasses les animaux. Voilà. Tu régules la population. Quête de WoW classique, quand tu commences, c'est comme ça, hein. Tu chasses ce que tu trouves, en fait. Tu te balades beaucoup plus aussi que dans WoW Retail. Ça par contre, la texture de l'eau, c'est pas WoW classique. Hein. C'est pas WoW classique du tout ça. Ça c'est WoW Cataclysme. L'eau, elle était pas comme ça dans mes souvenirs. Est-ce qu'il indique un endroit pour les chasser ces rapaces? Ce serait cool. Un petit hint dans la quête là. Le rapace est un oiseau rivier difficile à trouver. Oh bah jusque là, je suis d'accord. Ah! Il y en a un là. Face.
Ok. Deux plumes. Un autre rapace là-bas. Oh shit. Ah, je me rappelle la première fois que j'ai joué à WoW quand je voyais des je vais crever. Non, pas le permadès. Oh non. Oh là là. Bon bah perma. Ouais ouais, je vais réduire ça parce que j'ai un peu abusé, j'avoue. Ça me défonce les oreilles en plus. Mais je me dis, tant que personne se plaint, tout va bien. Ah mais non, en fait c'est pas dans ce sens, on peut laisser comme ça. Après tu te plains de m'adormir. Pourquoi je fais des cauchemars? Est-ce que j'ai des sons trop forts dans mes oreilles? C'est ça que tu insinues? Non t'inquiète, tout va bien. Mes oreilles vont bien en tout cas. Juste que vu que je sais pas doser, je me dis... Là maintenant je suis traumatisé par ce qui s'est passé avec Skyrim l'autre jour là. Du coup, je fais en sorte que le son du jeu il soit bien fort, qu'on l'entende bien. Quitte à me niquer les oreilles. C'est un peu con. Mais au moins on entend le jeu. Bon, faudrait qu'on entende ma voix aussi. Oh là là, le rapace qui m'a volé là. Un HP, il me met une parade, une esquive. Il m'a volé. Là, ça va mieux du coup. Au niveau des... Oh là là, et t'as l'autre qui revient là, c'est sérieux. C'est nickel. Gros décoloré. Bon, on a eu une mort aujourd'hui. Aller chercher des spells. Oh, il y a toujours son cadavre. Nice. On n'aura pas à chercher un autre rapace là. Oh non. Ça c'est un loup. Alors les rapaces, on les a trouvés souvent au pied des montagnes. Voilà.
Ok. Popopo. Non, pas de rapace ici. Je m'aventure loin là pour aller chercher ces fucking rapaces. Ah! Voilà. À chaque fois, il y en a un là. Salut les Jacob, ça va super et toi? Comment ça va? Yes, it is right. Let's go. French is easy, man. Super easy. Oh, je suis bien. I told you last lesson, last time. It was, you don't say I am, I feel well, or I am well. In French, you say I go well. Yes, I understand it's a habit. Yep, yep, yep. Oh, résistance, bullshit. Les rapaces, ils me volent. Automie, une French class, high school. Ok, ok, ok. So you already knew. Hop. Vivement qu'on passe Chameleon là. Nice, je vais bien. Yes, bah me too. Feeling good. Little, I'm a little bit tired, like I said earlier, but it's fine. I'm just gonna stream less longer than I used to today. Les animaux là, vache là. Wow, 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 c'est quoi son attack speed au loup là? Oh merde, ça y est, c'est le début de la décadence. Ah, pourquoi en vrai je le tue pas? Bon, c'est bon, je m'en suis bien sorti là. Allez, plus qu'un rapace et c'est bon, on est tranquille. Maintenant, tu joues un Minotaur. Yes. I am playing a Minotaur. I'm gonna play the panda tomorrow. That's because I'm not playing the same version of World of Warcraft as yesterday. Oh non! Pierre, tu vas me laisser tranquille, toi. Quoi? Comment ça, j'ai pas touché monsieur l'arbitre? Yes, it looks older as you can see. It's a new classic. Comment ça parade? Parade encore? Non mais... Oh là là. Classic is harder. Oh yes. Oh yes it is.
It's like a complete different game. I mean, it seems so. Leveling is much harder. You can't really do two mobs at the same time. You have to actually play a little bit cautious. And you have to manage your mana, while drinking. Sometimes you have to eat, because, for example, right here, I have no mana. So when I kill this mob, I have to drink and eat. Replenish myself. Do we say replenish? I don't remember. Yes, we say this. I hope I'm not inventing words. Et voilà, on est requinqué. Alors, je crois que c'est bon, on a tout fait. Hein. Plus qu'à tout rendre. Retourner au village. À pied. Vulture is acéré. Vulture is vautour. Non? Ou rapace? Vulture is an animal, right? Like this guy. Ok. Salut papy, comment ça va? Yes, it is vautour. It is vautour in French. Vautour or it is rapace. But you can say vautour too, I think. It's more accurate. Bon allez, allons rendre la quête. Les quêtes, je crois que j'en... Attends, parce que il m'en restait pas mal. Il m'en restait deux autres après, je crois. Ouais, rite de la sagesse, c'est quoi? Voyager au Rocher Rouge, à l'est. Ah, l'est de Thunderbluff. Oh shit, j'allais oublier ça. L'est de Thunderbluff, c'est par là. Et Rocher Rouge, en plus, j'y suis déjà allé. Je me rappelle de ce truc. C'est l'histoire de Rack et la plaine magique. Oh, elle est pas belle la plaine là. J'adore Mulgore moi. Meilleure zone de WoW. De WoW classique. Pour Pex. C'est pour ça que j'ai... En vrai c'est pour ça que j'aime les Torrels. Hein. Surtout leur zone d'XP. Elle est juste trop bien. C'est dommage que dans Retail, tu la parcours plus comme ça. Genre depuis qu'ils ont sorti les quêtes de WoW Cataclysme là, c'est fais ça à tel endroit, fais ça à tel endroit et vas-y. Mulgore, tu t'en fous. Bah ouais, côté Horde. L'Horde, en vrai, ça tue. Après, il y a des races côté Ali que j'aime bien. Genre Draenei, Worgen. Quoi d'autre aussi? Non. Non, c'est cool. J'aime bien les nains. Après, c'est vrai, ils ont plus la classe, la Horde, quand même. Nains sous une masse, ok. Oh. Les gnomes sous les masses, moi, je dis. Ah, les gnomes, ils sont insupportables. Je sais pas ce qu'ils foutent sur WoW en vrai. Ils étaient même pas sur Warcraft 3. Enfin, je pense que gnome, c'est vraiment la race qui meuble. Fallait qu'ils trouvent une race Blizzard. Et ils nous ont pondu les gnomes.
Enfin, c'est mon avis, hein. Je pense que c'est le cas. Parce que c'est vrai que t'avais... Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont pas sorti les elfes plus tôt. Ah mais non, parce que quand tu suis la... Ok, ouais. Quand tu suis l'histoire de Warcraft 3, les elfes ils sont un peu séparés de l'Alliance. Enfin, une partie des elfes après le Lord de Wu a un peu évolué. Les gnomes c'est en Blanche-Neige ça. Ouais, mais tu peux les trouver dans Warcraft. Tu sais, tu as même Kung Fu Panda dans Warcraft, hein. J'ai même fait un panda, moi. Et je vais le pex demain. Je suis à l'est, là. Là, jusque-là, je suis arrivé à Thunderbluff. Oh là là, mais je vais trop loin. C'est pour esquiver les mobs aussi, là. Bon, désolé, c'est Randonnée Simulator, hein. Bon, après, c'est le leveling, j'ai envie de dire. C'est ça, hein. C'est ça, le... L'aventure dans WoW classique. Tout ça avec un peu d'add-on. Genre, pas de quest helper ou quoi que ce soit, là. Nous, on n'est pas assistés, nous. Nous, les repères cardinaux, c'est dans la tête. On a une carte. Si on a une carte, c'est bon. On a tout ce qu'il nous faut. Fuck. Putain. Toi, tu vas me laisser tranquille, toi, bitch. Ah non, pas de quest helper, pas dans classique, hein. Ça, c'est du retail assisté, là. C'est pas le classique qu'on connaît. Bon, après, moi, je me suis pas empêché de DL mes add-ons, hein. Azirith UI, avec Total RP. Enfin, Total RP, ça, c'est nouveau. C'est juste pour rigoler. Pour regarder les profils des gens, là, qui font du RP. Ça peut être drôle. Alors, je suis à l'est ou je suis pas à l'est? Je suis au nord-est. Mais après, c'est les mobs qui m'influencent là dans mon cheminement là. Je me fais agresser par tout n'importe quoi, ça commence à me saouler. Boum! Vas-y, reculez. Reculez les bitches. Oh là là! En plus, les loups, ça a une attaque speed de fou. Genre. Je crois que c'est ce petit rocher à la con. Je crois qu'on était déjà allé. Hein. On était déjà passé devant, sauf que moi, bien sûr. J'ai pas fait attention aux quêtes que j'avais. Tu es condamné à healer. Ah non, mais moi, ça va être que du leveling. Hein. Moi, je vais jouer Chamelio, PVP, basta. Hein. PVP sauvage pendant mon leveling. Venez me chercher les stream snipers là. Ceux qui ont WoW classique. Je vais me faire défoncer, tu vas voir. Surtout par des rogues là. Qui vont arriver de nulle part. Mais je compte jouer Chamelio. Hein. No way que je heal. Hein. Moi je suis pas un soigneur. Ah, je crois que c'est là-bas. Le rocher à l'est. Ouais, c'est ça. Je m'en rappelle maintenant. C'est un énorme truc. C'est Stone Age le machin agrandi, je crois. Zoomé x6. Non, x100. Je crois que c'est ça. Hein. Non, non, non. Vas-y, on va slalomer. On va slalomer. Oh là. Stream hack. Ou oh, stream snipe. Peu importe. C'est pareil. Ah ouais, on peut dire les deux. Oh là, pourquoi ça m'envahit de hirsute là? Rakan de visage, c'était mieux que toi, il te détrônera. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte Daryl là? Putain, quand Daryl il parle pas de l'Orcan, il est à moitié possédé par quelque chose d'autre. C'est pas trop ce que c'est. C'est pas ce qu'il raconte. Po. Vas-y, on va se faire les deux hirsutes là, let's go. Oh la parade, ça commence comme ça quoi.
possédé par la passe la fatigue. Moi je suis un peu aussi, tu vois. Un sommeil de merde. Avant tu serais mieux où on était. Bah c'est cool. Après je prévois pas non plus du contenu de grosse qualité en faisant du leveling, hein. Genre voilà quoi, c'est je tue des loups, je ramasse du loot et randonnée simulator, hein. Ça se regarde comme de l'ASMR limite, sauf qu'il y a ma grosse voix derrière quoi. Donc je sais pas si ça va vous endormir. Ça va vous réveiller de temps en temps peut-être. Bam, coup de marteau. Est-ce qu'on te met les beurs? Ah bah ça fait plaisir à voir. Si c'est pas de l'ironie, hein. Oh, résistance, mais il me vole. Oh, c'est insupportable. Parade. Non, mais c'est un voleur. Hein. Boum, coup de marteau de la tête. Sortir un totem aussi là, parce que ça craint un peu. On va foutre soigner. Allez, j'ai plus de mana. Parade. Oh, mais c'est abusé, hein. Après, c'est peut-être parce qu'ils me mettent. Genre, je suis niveau 8, ils me mettent 2 niveaux. Même Skyrim, c'est pas aussi bien. Ouais, tu dis ça parce que ça crache pas, c'est ça? C'est vrai que ça m'est jamais arrivé de crash sur roue. Allez, hop. Et j'ai plus d'eau. Oh là, c'est la pénurie. Bon. Oh, ne crache jamais. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas beaucoup modé, mon goût. C'est pour ça. C'est comme mon hobby. Après, mon hobby, j'ai beau avoir deux modes dessus, ça m'empêche pas de cracher de temps en temps. Hein. C'est un peu le label Bethesda, ça. T'as choisi des métiers. Bah, je pense que je vais... Non, j'ai pas encore choisi. Mais je pense que je vais prendre fabricant d'armes. Mais je sais même pas si c'est... Si c'est worth it. Parce que j'ai peur que ça me coûte trop de sous. Et sachant que je suis quelqu'un de très pauvre et qui va rester pauvre dans ce jeu, donc. Est-ce que c'est worth it de faire des métiers? Ou sinon, ce que j'adorais faire moi, je me rappelle quand je jouais à mes 10 jours d'essai sur WoW là, je faisais herboriste. Et je cueillais des fleurs, comme dans Skyrim. Ouais, c'est relou la forge, c'est ça aussi, je me dis ça aussi. Ça doit être relou. Comment je fais là? Je dois atteindre le rite de sagesse, sauf qu'il y a des mobs partout. Genre, faut que je sois accompagné pour faire ça ou... Ça va être une galère un peu. La prochaine fois, t'as mal dit sur ce qu'il y a, je vais peut-être me mettre à roleplay. Nice! Cool! T'as combien de modes du coup? ?278, ah ouais, t'as chargé là. C'est la première fois que tu charges autant ou alors T'en avais beaucoup avant. Ce tâtonne. Parce que je sens que ça va m'aggro partout là. Et lui là. Première fois. Ça
solo en duo chasse une assez rapidement. De quoi là où je suis ? Ou alors tu parles des métiers. Ah ouais, là où je suis ! Démo chasse ou druide. Ah ouais, fallait que je choisisse bien en fait. Dès le début du jeu. Ouais, mais moi j'adore les chamans. Après, c'est vrai que dans WoW classique, il y a les quêtes de classe. Chose qu'il n'y a pas dans Retail. Surtout pour ça aussi que. Que je joue dans WoW classique. Je trouve ça trop bien en vrai que t'es des quêtes qui fassent progresser tes compétences. J'aime bien l'aspect. Oh merde, ça par contre c'est la mort. Ok, on va essayer de faire full vague de soins. C'est la strat. Y'a des monstres partout, ouais ouais hein. Genre faut que j'aille lui parler à lui. Pour mon rite de sagesse. Toi d'ailleurs t'as dit démo. Comment les démos ils se retrouvent à faire ces quêtes de rite de sagesse? Parce qu'il n'y a pas de démo, Doran. Oh non. Oh non, bah là c'est mort hein. Sauf qu'il peut. Putain, vive au classique hein. Putain, c'est plein dur. Surtout qu'il n'y a personne, il n'y a pas un collègue. Ils restent tous au camp d'arrache là. Je sais pas si elle est faisable cette quête pour moi là pour l'instant. Ouais, pour balayer les mobs rapidos, ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Popo popo po. Fais chier. Oh là là. Tiens, éclair dans la bouche. Hein. Quoi? Parade. Non, et il fuit. Non, pas par là, monsieur. Oh. Ça allait très mal se passer là. Bon, on va manger du pain. Après, c'est vrai, il n'y a pas forcément besoin de boire de l'eau, hein, entre les fights. On récupère assez bien. Peut-être plus tard, si on fait des donjons, trucs comme ça. Parce que ouais, les donjons, maintenant, il n'y a pas de d'outils genre recherche de groupe et tout. C'est on se démerde à trouver un groupe. Allez, devant le donjon. Et let's go. Bon, ça devrait me protéger. Non. Reviens là. Imbécile cancre. Esquive. Sur Skyrim. Quoi? J'ai pas compris. Les Kali. Je vais le crever là. Rate! Oh là, mais vise mieux que ça! Mais comment ça rate trois fois? Je me fais voler. Bizarre là. Stop trop long. Rate! Le bonheur. Non, non. Il va encore aggro du peuple. Ça va me saouler. Je te finis à l'éclair. Oh, je vais même pas le looter. Hein. Et en plus, ça nous fait up. Let's go, easy clap. C'est pas visé ton perso, effectivement. Hop. Alors. Je vais me déplacer comme ça.
à tâtons. Oh merde! Monsieur, j'ai pas le temps de lire votre quête, hein. Vite, 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 vite. Je mourrai pour cette quête, tant pis, hein. J'ai pas lu. Tant pis pour le RP, là c'est la survie qui compte, hein. Oh là là. Pense pas aux joueurs RP, les bizarres. Bon, bah, je suis mort. Allez, deux morts. Deux morts aujourd'hui, let's go. La quête, c'est faut courir. Ouais, je veux bien te croire, là. Il n'y avait pas deux options. Putain! Ah, oh, permades. Allez, on délète, on recommence tout. Que je me suis trompé de sens. Ah, je me rappelle, il y a des ogres ici. Je sais même pas s'il y avait une quête pour ça, je m'en rappelle même plus. Boing, boing. Ah, ça va être drôle après de PVP. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Surtout que ça va être des gens hyper chauds classiques qui cherchent du pleb à farmer là. Il y a un coffre easy à choper. Ok, ok. Easy, t'es sûr? J'irais bien voir ça. D'ailleurs, faudrait qu'on se fasse notre profil roleplay, là. On l'a fait avec le panda, mais on l'a pas fait avec Wurad. Veuillez entrer un nom pour le nouveau profil. Voilà. Alors après, tu peux éditer tout. Tu peux éditer l'âge. On va lui mettre un âge de tauren, hein, 150 ans. Couleur des yeux. Je crois qu'il a les yeux gris. Merde. Comment je fais l'autorun? Oh merde! Faut que je sois sur la fenêtre. Voilà, on fait comme ça. On fait comme ça. La taille. Bon, un tauren, ça fait facilement 3 mètres, non? Oh là là. Voilà. Situation amoureuse. Paxé. Divorcé, marié, en couple, célibataire. Tous célibes, hein. Tous des ermites reclus. Mes personnages. Lieu de résidence. Comment ça, lieu de résidence, Thunderbluff? En vrai, nous, on est nomades, on n'a pas de lieu de résidence. Il y a un truc de background sur tout perso, et j'en avais lu un épique. Mais justement, c'est ce qu'on va faire pendant nos phases de leveling. Là. On va lire les profils des gens. Mais le problème, c'est que... Enfin... Là, je suis côté Horde. Je suis sur un serve RP anglais. Donc, à mon avis, il y a des gens qui doivent avoir l'application. Mais après, sur mon panda, je suis sur un serveur français. Et le problème, c'est que je suis côté Horde. Et il n'y a personne qui a l'application. Et c'est un serveur RP, en plus. Scandaleux. Il n'y a personne qui est RP. Ils sont sur un serveur RP. Oh! Oh, il y a le monsieur, là, qui a une quête pour nous. On sera de retour. Ok, ok, dit Jacob. À tout, à tout. Salutations. Reine Totem. Seuls les plus vaillants taurennes sont enterrés au Rocher Rouge, notre terre funéraire sacrée. C'est un honneur accordé aux grands guerriers qui ont aidé à construire et à défendre Thunderbluff et à ceux qui ont donné leur vie pour le bien de leur tribu et de leur chef. Mais il apparaît qu'un infâme danger menace notre terre sacrée. Un groupe d'intrus d'eau hirsute ravage le cimetière et je suis trop vieux et trop faible pour les repousser. Oh, je viens de m'en charger, monsieur, là. Ils doivent pourtant être chassés sans pitié, Wurad. Et bien sûr, il me demande de tuer les mobs que... Oh, j'ai dû en tuer plus de 8, hein. C'est un druide tauren. Ses parents ont été capturés par Ragnaros. Il va se venger. Veulent le background du gars. Oh, stylé. Stylé, stylé. Ouais, il y en a, ils détaillent bien. Il y en a, ils sont chauds pour te créer des backgrounds, là. Pour leur personnage. Mais pour ça, il faut être du côté Alliance. Jusque-là, j'ai pas croisé de joueurs qui ont un profil RP, mais je trouve ça normal. En face de leveling, les gens ils s'en foutent un peu. Ce qu'on a trouvé un d'ailleurs, on a trouvé dans le registre. Ah ouais, on a trouvé 3. Oh merde.
Il y a déjà 3 joueurs qu'on a trouvé avec un profil. Attends, je vais les lire vite fait. Ah ouais, non, mais là, ils se font pas chier. Fort que je fasse des trucs en anglais. Wally Graves, Control Operatives. Ah, c'est un humain. Ok. Musculaire yet athlétique. 1m80, 32 ans. T'as l'impression de faire des bios dans des sites de rencontres. C'est pas très roleplay. Qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il soit musclé et athlétique? Alors. Et lui? Oh! Ah ouais, lui, t'as tout bien fait là, tout propre. H22, paladin. 1m92, boostard yellow. Couleur des yeux. Stature athlétique. 1000 dénales. Alors, c'est quelqu'un de plus loyal qu'il n'est chaotique. Plus... ah ouais, ok, donc c'est quelqu'un qui... Voilà, le sexe, je crois que ça veut dire ça, non? Luxurieux ou chaste? C'est-à-dire, bon, ils préservent leur virginité, quoi. Indulgent, rancunier, altruiste, égoïste, ok, très altruiste, bon, c'est logique. Un paladin, quoi. Ce sera original de voir quelqu'un qui n'est pas très altruiste en paladin. Miséricordieux, brutal, ok. Il a fait sa petite bio. Ouais, voilà, c'est ça. Il aime la voilà, quoi. Hop. On va continuer les hommes sans boulot, allez. C'est les gros barbouillés de sa papa qui sont restés chez papa maman. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais après, il y en a... t'as l'impression que le background qu'ils font pour un personnage, c'est l'œuvre de leur vie un peu, hein. No joke. Ils font ça tout propre et tout. Pour ça, c'est marrant. Moi, je vais essayer de faire ça aussi. Je vais essayer de faire mon barbu geek qui est toujours chez ses parents. C'est marrant, tout est vrai dans cette phrase pour moi. Paf. Arc de chasse. Merde! Putain, tout est rempli là. Allez hop. Bonjour. Salut Vangélis, comment ça va? Arrête de fuir toi. Alors, il nous en reste 3. On va éviter de prendre le package là-bas. Côté du rocher. Aussi, un truc que je compte faire, c'est jouer Chamélio avec une arme à deux mains. Let's go. Et faire des gros chiffres là, avec la furie des vents. Ça va être rigolo de jouer comme ça. Que je vois des Shenlio qui arrivent à one shot là. Bon, après c'est ceux qui ont réussi à avoir l'arme légendaire là de Ragnaros, le marteau. Je ne peux pas en emporter plus, l'inventaire est plein.
Les chamélos étaient armes à deux mains. C'est trop stylé. Pourquoi ils ont enlevé ça, Blizzard, d'ailleurs, sur Retail, là? C'était excellent. Tu puisses jouer avec une arme à deux mains. Putain, mais c'était... Jouer comme ça, moi, à Wrath of the Lich King. C'était pas méta du tout. Mais des fois, quand tu voyais ta furie des vents proc, tu voyais des chiffres partout énormes, là. Tu vois le gnome disparaître de l'écran. Ça fait tellement plaisir. Perf. Oh merde. Putain, l'enchantement. Allez, on casse le gros. Ouais, plein de crits, c'est ça, ouais. Oh, je me rappelle toujours d'ailleurs du youtubeur que je regardais là, qui jouait Chamelio. Et qui mettait en musique de fond sur ses vidéos, comment ça s'appelle le groupe de métal là? Merde. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié. Il s'appelait Beavis. Un plaisir de vous rencontrer. Bon travail, vous avez envoyé à ces abjects d'Oyersuth un message clair. Ils y penseront à deux fois avant de profaner à nouveau ce lieu saint. Que le soleil éternel. Fais voir, je vais Ah, la musique! Ah, la musique, elle est tellement cliché! Par contre, j'ai un peu peur pour le DMC, hein. Tu m'excuseras. Oh là là. Ready, steady, go. Ah ouais. Ah, mais je connais en plus, j'ai déjà vu celle-là. Unbreakable, Warlord Shaman. PvP, Ragnaros, Sulfuras. Ah ouais, j'ai déjà vu ça. Résiste. Ah, il a résisté à l'Orion de Givre, le bâtard. Il est en train de courser un chaman. Oh la vache! Ok, il lui a tout mis dans la gueule. Ok, bon. Ah là là. Ah, c'était le bon vieux temps, hein. Avec les montages vidéo, là. Toujours les mêmes musiques. C'était... Ah oui, c'était... Attends, c'était quoi déjà le groupe? Non, c'était pas System of a Down. C'était... Bon, de toute façon, vous connaissez pas. C'est vrai. Au revoir, il y avait Pat. Ah, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ah! Faut que je me mette en auto-run. Auto-run jusqu'au camp d'arrache. Let's go. Alors, après, là, on a juste à rendre nos quêtes. Que je sois sûr. Je regarde vite fait. Attends, on va quitter. Ah! Journal de quête. Pourquoi j'ai galéré? Voyage à Thunderbluff. Parler à Cairn. Bon, voilà, ouais. Pour plus, les quêtes, elles sont vertes maintenant. Elles vont pas nous rapporter grand-chose. Merde! Autorun. Voilà, c'est ça. Il y avait Pat. Vas-y, je vais mater vite fait. Incredible Warrior PvP Movie. La musique encore. Soil. Ah, ça je connais par contre. Je me rappelle de l'artiste. Avec ses grosses lignes, hein. Ouais. Je vais éviter de trop le jouer, sinon DMCA. Hein. Donc à faire The Blind Crusade, c'est à côté pour qu'il y ait un... TB, Thunderbluff, tu veux dire. Putain, pourquoi j'ai lu Blind Crusade, moi? Oui. Ouais, je sais, mais bon, on fait les choses en l'ordre, nous. C'est roleplay. Le soleil se couche, d'ailleurs, là, Thunderbluff. Ça aussi, j'adore ce rôle. Hein. Le fait que, le temps, genre la nuit, le jour... Le cycle de nuit et de jour, en fait, il suit le monde réel, en fait. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que je suis sur un serveur anglais et ça compte comme mon heure à moi, quoi. Bizarre.
C'était pas comme ça avant. Avant, ça suivait l'heure du serveur, si je dis pas de bêtises. Ah, ils frappent trop vite les loups là. Bon, on va aller chercher des spells. Hein. Putain, on en était ça. Là. Harceleur, va. Popo, popo, popo. Est-ce qu'il y a... Non, il y a plus de quête après, je crois. À quand le PO, moi, je dis. À quand les PO? On a combien, là? On a que 10 PA. C'est un peu la pauvreté. Ah, je sais pas si j'ai mis à jour, moi. Ce que j'ai mis pour retail, mais je sais pas si j'ai mis les add-ons pour classique. De toute façon, ça, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, c'est juste que c'est la version classique, quoi. Un plaisir de vous rencontrer. Avez-vous chassé ces rapaces fourrades? M'en rapportez-vous leurs plumes? Je sais que collecter ces plumes n'était pas une tâche facile, Wourad. Vous venez de prouver que vous étiez l'un des chamans les plus méritants. Nous sommes heureux, au village Bloodouf, de vous compter parmi nous. Au revoir. Ah, lui, il a une quête grisée. On n'a toujours pas le level. Salutations. Voilà. Avez-vous les pattes et les serres, Wourad? Vos travails, Wourad, je vais les utiliser pour confectionner le totem de purification. J'ai réalisé le totem pour purifier le puits Winterhoof. Il vous faut maintenant l'apporter au puits et y pratiquer le rituel de purification. Vous trouverez le puits dans le sud-est, gardé par l'infect gobelin. Ce sera tout sauf une mission facile, mais vous devez réussir si nous voulons un jour pouvoir boire de nouveau l'eau précieuse de ce puits. Bonne chance à vous, Wourad. Okay, que le soleil éternel brille sur... D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il pollue l'eau des taurennes. Qu'est-ce qu'il cherche là? La capitale risque. Pourquoi est-ce qu'il fout de la merde? Il nous explique pas tout là dans le lore. Ils savent pas qu'il y a des joueurs curieux là, bizarres. Alors, je crois qu'il faut tuer des... C'est ça, hein, le délire. Hein. Voyage de Thunderbluff, purification de Winterhoof. Purifier le puits. Ah, donc il y a un item à choper, là. Ouais, bah, c'est un peu la misère... Mon inventaire, là. C'est quoi, ça? Armure augmentée de 60. Bon. Po. C'est quoi, l'item? C'est quoi l'item? On m'a donné là! Ou alors j'ai. Putain, j'ai lu qu'à moitié, j'ai lu en travers là. Utiliser le totem de purification, oui, merci. Ah, fallait peut-être. Oh merde! Fallait peut-être cliquer sur un truc. Oh là là là. Parce que pendant qu'il craft. Je sais pas, j'ai entendu crafter quelque chose, mais après. Je sais pas s'il fallait que je le ramasse ou quoi que ce soit. Oh non. On va faire jouer avec le totem là. Me fais pas chier. Putain, c'est pas vrai. Et voilà. Et bêtement là, let's go. Aidez-moi, mes sœurs les taurennes. Oh là. Même dans Oblivion, ils sont plus réactifs les PNJ. Alors, il est où mon totem, monsieur, là? Oh! En plus, c'est l'entraîne pour les chamans, let's go. Que les ancêtres veillent sur vous. Alors, super, on a eu arme croc de roc niveau 2. Et... Nice. Ça dure combien de temps? 10 minutes. Bon, du coup, le totem, je le sors d'où, moi?
bande. Ah mais c'est pas lui. C'est pas lui. Oh là là, je suis ravagé. Si c'est lui. Non, c'était. C'était qui? T'as les autres sorts là, non? Non, j'ai que ces deux-là. Qu'est-ce qui vous amène? Cela, c'est niveau 10. Allez, en compagnie de Mathen. Non, pas longtemps. T'as pris tu en Amelio. Ah merde! Mais voir. Ah, je vous attends. Ah ouais, faut descendre. Oh la vache. Ah ouais, ok. Holy shit. J'ai pas assez de sous, moi, pour prendre tout ça. Vague de soins. Alors ça, c'est hyper important. Po. Totem de lien terrestre. Invoque au pied du lanceur. Totem de lien terrestre qui possède 5 points de vie pendant 45 secondes. Ok, c'est ralenti les déplacements, ça c'est bien pour le PVP ça, mais après pour le PVE, je suis pas sûr. Totem de griffe de pierre. Ah ça c'est utile en PVP, en PVE ça, je veux dire. Ça provoque les créatures. Ça c'est utile ça, ça c'est du gameplay. Et orienter, allez. Bon au final je peux tout prendre, je pensais pas avoir les golds. Enfin l'argent. Voilà, c'est bon, on a tout pris. Allez. Le compte est bon. On va équiper ça. Mes filtres dispo. Ouais, je vois. Ok. Ouais, vaut mieux que je mette ça tout de suite comme ça après. Paix, voyageur. Filtré, dispo. Nous reverrons. Merci du tuyau. Voilà, grimoire et technique. Donc là, il va falloir que je remplace le spell. Ouais, à chaque fois, c'est ça en fait. Attends, je crois que j'ai fait de la merde. Non, si, c'est bien. Orion de terre. Hop. Ça, c'est un nouveau spell. Et vague de soins, on la remplace ici. Bon, après, pour les binds, on verra plus tard comment on disposera le truc. Je vais même faire des macros, comme j'avais fait aussi dans mes anciennes phases de leveling. Tonneau d'eau. Tiens. Ok, haute source gratos. Mais du coup, c'est qui le totem, là? C'est toi? Vous voulez parler? Maître des druides. Allez en compagnie de la terre-mère. Je crois que c'était lui, là. Ouais, c'était lui. Salut votre totem, monsieur. Voyageur. Attends, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Qu'est-ce qui vous amène? Ne tardez pas, Oura, la corruption du puits Winterhoof doit être dissipée. Que le soleil éternel brille sur vous. C'est pas vrai ça, Pépéga. Utilisez le totem de purification Winterhoof au puits Winterhoof. Puis retournez voir Mule. J'ai réalisé le totem pour purifier machin. Vous trouverez le puits dans le sud-est. 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 Par là. Donc c'est le puits là-bas, j'avais raison.